nation. Everybody wants to rule. Everybody wants to. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Redino, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo pronostic pour Battleground qui se déroule dimanche. Il y aura peut-être un live, je sais pas, mais c'est pas sûr et c'est pas vraiment, enfin c'est pas, voilà, c'est pas sûr du tout, vraiment pas sûr. Donc bref, donc voilà, on se retrouve pour une vidéo pronostic tout seul cette fois-ci, pronostic pour Battleground. Voilà, parce que je le fais vraiment à l'arrache, il est 5h du matin, bonsoir. Et on commence avec le premier match qui sera le match de kick-off, donc Tyler Breeze contre Ty Dillinger, pardon, contre Aiden English. Alors ce match, je m'en bats les couilles, je l'attends pas. Merci, au revoir, je suis pour Ty Dillinger, même si je m'en fous. Merci, au revoir. Je m'en fous totalement du kick-off, mais je pense que Ty Dillinger va gagner, je suis pour Ty Dillinger, voilà. Ensuite, le prochain match, alors c'est un match que j'attends pas non plus, mais voilà, moi je suis pour Sami Zayn. Et je pense que Sami Zayn va gagner. Mais je suis sûr pour Sami Zayn. Voilà. Et Maria, t'es très belle. T'es très belle. Voilà, je. Tu me suces. Pardon. Ensuite, le match de Diva. Donc, le 5-4-way. Le 5-4-way. Donc, moi, je suis pour Charlotte ou pour Becky Lynch. Mais je pense que ça va être Lana qui va gagner. Parce que vous savez, Tamina et Lana sont copines, on va dire. Donc, je pense que Lana va gagner. Voilà. Ensuite, le match AJ Styles contre Kevin Owens. Donc, moi, je suis pour AJ Styles. Mais je pense que AJ Styles va gagner. Je pense que tout simplement AJ Styles va gagner parce que s'il perd, en fait, c'est con parce que son règne sera assez court. Parce que ça fait pas depuis longtemps qu'il est champion non plus. Donc, voilà, je pense que AJ Styles va gagner. Je suis pour lui, tout simplement. Ensuite, le prochain match, c'est Shinsuke Nakamura. Donc, le chinois contre le loup solitaire. Donc, moi je m'en fous. Enfin, j'aime bien. Enfin, je suis pour les deux. J'adore Shinsuke Nakamura, j'adore Baron Corbin. Mais je pense que Shinsuke Nakamura va gagner. Donc, voilà. Donc, je suis pour les deux. Mais je pense que Shinsuke Nakamura va gagner. Donc, voilà. Victoire de Shinsuke Nakamura. Ensuite, l'autre match, le match tag team. Donc, les Usos contre The New Day. Donc, les Usos, ça fait un petit moment déjà qu'ils sont champions tag team. Donc, je pense qu'ils vont faire un changement. Et je pense que le New Day va tout simplement gagner ce titre. Et moi, je suis clairement pour le New Day. Et je pense que le New Day va tout simplement récupérer les titres tag team de SmackDown. Et moi, je suis pour le New Day. Donc, voilà. C'est cool. Ça serait cool. Parce que je kiffe le New Day. Et donc, voilà. Et là, juste après, on va passer en plus à un match que j'attends énormément. Peut-être pas vous, mais moi, oui. Il s'agit du match John Cena Rousseff. Alors, faut savoir que là, je suis pour ni l'un ni l'autre parce que John Cena, je l'adore et Rousseff, je l'adore. Mais je pense que John Cena va gagner, tout simplement. Voilà, parce que je pense qu'il va gagner. Mais voilà, ça va être un très bon match pour moi, je pense. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, ça va être un match de merde et tout, on l'a déjà vu et tout. Mais moi, je pense que ça va être un putain de match. Et je suis pour. En vrai, je suis pour Rousseff, j'avoue, voilà. Mais je pense que Cena va gagner. Et même si Cena gagne, je serai content, donc voilà. Mais je suis pour Rousseff. Ensuite, le prochain match, donc le main event, du coup, c'est Jinder Mahal contre Randy Orton pour le Punjabi Cage. Enfin, le Punjabi Prison ou machin. Donc, je suis pour Randy Orton, bien évidemment, mais je pense que Jinder Mahal va gagner parce que, voilà, vous le savez, c'est prévu qu'il garde son titre jusqu'à la tournée en Inde. Je sais même pas si elle a encore passé la tournée en Inde. Mais je crois pas, mais bref. Mais Jinder Mahal, c'est prévu qu'il garde encore son titre, donc voilà. Victoire de Jinder Mahal, même si je suis pour Randy Orton et on espère tous la victoire de Randy Orton. Voilà. Ah. Bref. J'ai beaucoup parlé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo était dynamique parce que j'ai parlé de sans m'arrêter, mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais pas s'il y aura un live, de toute façon je vous préviens, de toute façon c'est dimanche, donc voilà, je vous préviendrai ça tout à l'heure, donc voilà, sur ce, bah, je vous dis bye tout le monde, c'était Radio pour jouer, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez bye bye.